Serge, content ? Très content. Un très beau parcours, très intéressant, une bonne course, difficile bien sûr, comme toujours, un marathon c'est toujours très difficile, mais très content. On va dire tout de suite que Corinne s'est très bien comportée. Elle est arrivée au 30e kilomètre en 3h06. Je pense qu'elle n'avait jamais fait ça. Seulement, il est vrai que les 12 derniers ont été très durs, quoi, parce que 12 derniers en 1h42, ouais, ça fait ça, donc 1h42 et 3h06, ça fait 3h48, exact. Au 25e kilomètre, elle est en 2h30 et elle perd 6 minutes. Après, elle perd 1 minute au kilomètre. Je me suis dit, tiens, en 3h06, on va finir en 3h18. Hein. Et puis non, c'était très dur. Enfin, c'est vrai que c'est dur. Un marathon, c'est très dur, pour le savoir. Très très content. On va dire une chose, je la félicite et surtout à aucun moment elle n'a parlé d'abandonner. Et ça je crois que c'est très très important. Et maintenant tu envisages un 100 km ? Ah non, pas pour moi. Là j'ai donné mon cas et là non. Un prochain futur marathon en 3h30, ce serait déjà bien. 4h30, ce serait déjà bien. Non, 4h30, hein, j'ai bien dit 4h30. Ce serait déjà bien pour Corinne. Moi personnellement, j'ai pas l'intérêt de faire un marathon en 4 heures, je vois plus de but, c'est pas mon intérêt. D'accord, merci. Alors maman, contente ? Oui, mieux que ce matin. Pourquoi ? Parce que ce matin, j'étais très déçue de mon temps, et puis bon, maintenant ça va mieux. Une fois la douche prise, une fois le massage par la lèvre kiné, très bien d'ailleurs, meilleur moment de la journée. Mais sinon, ça va, oui, je suis contente. Première moitié de course, c'est très bien passé. Après, ça s'est gâté un peu. Et puis, c'était dramatique à l'arrivée. Mais bon... Oh, faut pas dire ça. Contente d'être revenue à la maison. Et t'es fatiguée ? Oui, crevée. T'envisages un 100 km ? Jamais. On en reparle l'année prochaine. D'accord.